Histoire de Babar, le petit éléphant. Texte de Jean de Brunhoff, musique de Francis Poulenc. Le même jour, hélas, le roi des éléphants, au cours d'une promenade, a mangé un mauvais champignon. Empoisonné, il a été bien malade. Si malade qu'il en est mort. C'est un bien grand malheur. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Oui, juste à ce moment, ils entendent du bruit. Ils se retournent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Babar qui arrive dans son auto et tous les éléphants qui courent en criant « les voilà, ils sont revenus !» Bonjour Babar, bonjour Arthur, bonjour Céleste. Quel bel auto, quel beau costume. Alors Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante, « Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar ? Il revient de la ville, il a beaucoup appris chez les hommes. » Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. Bon, je vous remercie tous, dit-il. Mais avant d'accepter, je dois vous dire que pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste, vive le roi Babar, crient tous les éléphants sans hésiter. Ben, c'est ainsi que Babar devint roi. Roi. Babar dit alors à Cornelius, « Tu as de bonnes idées ? » ?»« Oui, oui. Aussi, je te nomme général. Et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau melon. » Dans 8 jours, j'épouserai Céleste. Nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. » Ensuite, Babar demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux à ses noces.